wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flop. Vibrate the whole building. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC pour faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information. Alors depuis hier, il y a des informations assez bizarres qui circulent sur les forums et sur les réseaux sociaux, comme quoi des véhicules des anciens DLC seraient de retour. Je parle principalement des véhicules de l'Independence Day et les véhicules d'Halloween. Alors je tiens à le préciser dès le début de la vidéo, ces informations sont complètement fausses. Je sais pas réellement d'où est partie l'information, mais certaines personnes disent que les véhicules sont de retour, que Rockstar a fait une mise à jour pour que tout le monde puisse les acheter. Alors sachez que cela est complètement faux. C'est à dire que pour les personnes qui avaient déjà acheté les véhicules, je parle principalement du Liberator et de la Sovereign, bah vous avez toujours accès à ce genre de véhicule. Alors que les personnes qui n'avaient jamais acheté ce genre de véhicule, vous n'y avez pas accès, contrairement à ce que peuvent dire plusieurs YouTubeurs, comme quoi les véhicules sont de retour et qu'il faut en profiter avec des réductions, etc. C'est complètement faux. Sachez qu'ils vont rester indéfiniment si vous les avez toujours achetés. Si vous les voyez sur les sites, c'est que vous n'avez pas besoin de paniquer. Si vous ne les voyez pas sur le site, c'est qu'il faudra attendre que Rockstar puisse les remettre une nouvelle fois sur GTA Online. Donc voilà, c'était une vidéo d'information très très courte mais très importante. Ne vous faites pas avoir, n'achetez pas des véhicules qui sont entre guillemets utiles mais inutile dans le cas où vous n'en avez pas besoin directement et que certaines personnes vous font croire que c'est temporaire, que c'est exclusif et qu'il faut en profiter maintenant. Donc du coup ça vous fait dépenser un petit peu d'argent alors que vous en avez pas réellement besoin, et je pense que vous avez pas tous énormément d'argent sur GTA Online. Donc voilà, la vidéo est très courte comme je l'ai dit, merci à tous de l'avoir regardé. Je vous invite vraiment à partager l'information sur les réseaux sociaux et les partager à vos amis afin qu'ils ne dépensent vraiment pas d'argent pour rien. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.